Et salut à tous, c'est Lucky de la team GNSL et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire découvrir, ou moi aussi je vais découvrir car je connais pas encore, j'ai juste vu quelques petites images des skins, le pass de combat de la saison 10 qui est égal à la saison X. Donc pour l'instant je vais pas parler du patch, de la nouveauté, juste noter le pass de combat sur 10 et commenter, dites-moi dans les commentaires une note sur 10 que vous donnez à ce pass de combat. Attention, pas à la saison, au patch, aux nouveautés. Non, je parle bien au pass de combat. Donc donnez une note sur 10, moi je vous donnerai ma note à la fin. Donc on va tout de suite découvrir le pass de combat. Et bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos sur la map, sur le patch, n'importe quoi, dites-le moi aussi dans les commentaires. Mais voilà, le pass de combat, je voulais quand même le faire parce que je l'avais pas fait sur les autres saisons. Donc renverser le paradigme, pas mal, mais après ouais, c'est la femme du nomade, pas mal, ça va. Non, non, moche. Non, moi je suis cash, hein, je le dis directement, c'est pas de suçage de Fortnite ou je sais pas quoi, non. Ou alors de hater de Fortnite. Ouais, ça va. Attendez, on va tout de suite voir ces styles. Ah, ça c'est plus stylé, mais bon, ça ressemble beaucoup à l'autre nomade, mais bon, c'est normal, mais ça va encore, ça, mais c'est vrai que c'est stylé. Non, elle est stylée en blanc, elle est stylée si on pouvait le mettre en blanc. Ça va, le skin n'est pas mal. Et déjà mieux que les autres, que surtout la saison 8 avec avec le robot et comment elle s'appelle? Je ne la vois pas. Le robot et la meuf bizarre là, la rock. Celle-là, elle était, mais moche, mais oh là là, moche. Le robot et elle, ils étaient moches. Donc c'est déjà mieux. Celui-là, ça va. En plus, il vient de la saison 2. Parce que moi, il faut savoir que j'ai joué depuis le début octobre. Donc j'avais pas acheté les passes de combat saison 2 et saison 3. Je m'en veux un peu quand même. Bof, ça va. Mais bon, moi, ça me rappelle un peu la saison 2. Ça me rattrape un peu, un tout petit peu. Et là, ça va. Les styles, pas mal. Là, j'aime bien le style comme ça. Donc voilà. Bon, aussi, on va bien sûr que je vais que acheter les premiers paliers. Hein. Je vais que acheter le pass de combat. Je vais pas acheter les 100 paliers. Hein. Mais je vous le fais découvrir quand même. Je pense que ça va être bien. Rodéo sur fusée créé par Muti. Ah, c'est créé par un joueur. Ok, bah, c'est pas mal. Nouveau camouflage. Ouais, pourquoi pas. Bon, après, les camouflages, on a tellement. Popcorn. Ouais, il aurait pu être stylé, mais non, j'aime pas. J'aime pas trop. Ferrailleur, il vole, mais lui en demandez pas trop. Pas trop non plus. Ouais, ça va, mais bon, j'aime pas trop les planeurs comme ça, un peu les, comment dire, les vaisseaux spatiaux bizarres. Attendez, comme le riposteur, j'aime pas trop les dans tes styles comme ça en fait. Un peu comme ça. Je garde les parapluies simples, moi. Donc, ouais, ça dépend de votre goût. Hein. Aussi, bien sûr, chacun ses goûts, n'insulte pas dans les commentaires. ZVBug, une musique, bataille finale. Tra la 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 la. Ok, ta gueule, Lucky. Dans la choix, la bonne humeur, mobilité, pas mal, ouais, j'aime bien. J'aime bien, fendeuse cosmique, viser les étoiles et frapper. Bon, après les trucs comme ça, je suis pas très fan. Les pioches doubles, ça va. Mais je trouve elle ressemble un peu déjà à des pioches qu'on a. Nomade urbain, créé encore par un fan. Je crois que ça va être tous les fonds d'écran vont être créés par des fans. Faille fulgurante. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Chevaleresque, ah, celui-là il est stylé, j'adore la combinaison, le rouge c'est une de mes couleurs préférées, le noir aussi, donc le combinaison rouge-noir j'adore, celui-là vraiment pas mal, très bien même. Graffeuse de Tilted, pas un mur ne le résiste, excusez-moi. Il est stylé, on va pas se mentir, mais c'est pas trop mes skins préférés, mais il est stylé. Ça je m'en fous, alors les chiens comme ça, mais je suis pas sur Animal Crossing, je m'en fous. Non, les câlins débarquent. Ah, j'aime bien le style comme ça. J'aime bien. Peinture lure. Ouais, ça va. Je me suis dit, non, c'est juste un vieux truc comme ça. Mais non, heureusement qu'il y a le coup de peinture à la fin. Ou le coup de tag. Sinon, c'est dégueulasse. Ouais, encore une mobilité. Bon, ça. Pas que des mobilités. J'aime bien quand on peut bouger en dansant. Mais bon. Après, celle-là, non. Ouais, non. Pas très fan. Égaliseur, afficher votre style, folie des platines, pourquoi pas, mais il ressemble déjà, je trouve, au carbone et dorure. Attendez, auquel, oui, il ressemble un peu, je trouve, à celui-là. Ouais, c'est même, à part le noir qui change, mais bon, je trouve, il ressemble beaucoup trop. Sacoche, de toute façon, ça, je mettrai. Sacoche acérée, excusez-moi, de toute façon, ça, je mettrai jamais. Compile, elle est plus vite que la musique. J'aime pas trop les flâneurs comme ça, mais voilà, c'est toujours stylé d'en avoir. Rythmique, balancer le refrain, folie des platines, pourquoi pas. Bulle de savon, éclatez-vous à les éclater. Éclatez-vous à les éclater. Oh, le jeu de mots.
platine, avec lui la fête dure jusqu'au bout de la nuit, il fait partie de l'ensemble folie des platines. Alors celui-là, c'est vrai que le premier skin DJ Lama, je l'aimais pas du tout, presque pas, mais celui-là c'est vrai qu'il est stylé, surtout avec le petit costard, c'est vrai qu'il est stylé, mais bon après la tête de Lama, je suis pas très fan, mais c'est vrai que avec les costards et l'habit comme ça vraiment classe, c'est vraiment stylé. Et en plus, on verra, mais au moins les styles, ils sont tous débloquables sur une case. Parce que parfois dans les autres passes, ils faisaient débloquer des styles dans plusieurs cases, donc ça faisait gaspiller des places. Comme ça, ils avaient des excuses pour mettre moins de trucs. Mais bon, c'est un peu n'importe quoi, moi, je trouve. Platine sans masque. Ah, ok, il ressemble à ça sans le lama. Pff, ouais, pourquoi pas. Si j'enlève la tête de lama. Après, les cheveux. Ouais. Les cheveux, je suis pas très fan. Faux étincelante pour une destruction pleine de couleurs. Ah, bah ça rappelle la cloche faucheuse ou même l'autre qu'ils avaient sorti, la fausse faux. Hein. Faucheuse plutôt, s'il avait sorti en même temps que la faucheuse. Kevin, ouais, pourquoi pas, voilà, ça rappelle le petit cube. Hein. Nonchalante, encore une mobilité. Ouais, pas très fan. Pas très ouf. Après, qu'est-ce que j'ai raté là? Fresque de casse-noisette, non, j'aime pas trop. Altitude. Ah, ça c'est pas mal, mais bon, on n'arrive pas à dire l'altitude. Ça c'est pas mal. Étincelle, elle est toujours éblouissante. Ça rappelle aussi la skin, bien sûr, saison 2 qu'on reconnaît facilement. Donc, ça aussi, ça fait plaisir. Mais bon, je pense pour ceux qui ont acheté les passes, tous les passes, ils l'ont pas dans le cul, mais je sais pas. Ça fait bizarre quand même. Dusty détruit dans les flammes. Moi, j'arrive même pas trop à reconnaître. Étincelle, coupe carré, voilà, un choix de style supplémentaire. Voilà, ils prennent plusieurs cases, au lieu de mettre tous les styles sur cette case. Non, ils se font chier à gaspiller plusieurs places. Ils se font pas chier. C'est bien pour eux. Au moins, ils ont moins bien, ils ont moins de trucs à mettre. Pixel. Non, non, dégueulasse. Ouais, c'est stylé, on va pas se mentir, c'est stylé, mais bon, je sais pas si c'est une danse que je danserai, toute la saison, hein, pour faire top 1. Céleste, oui, ouais, après voilà, trop de trucs, trop de camouflage, trop de traînées, tous les traînées, mais bon, c'est normal aussi d'en mettre. Bon. Oui, mais après, voilà, le meilleur, ça restait quand même le chevaleresque, rouge et noir. Voyageur éternel, il vient des profondeurs les plus obscures de l'espace, fait partie de l'ensemble exploration galactique. Oui, oh, la tête de mort est quand même stylée. Elle est quand même stylée. Ça rappelle le skin là qui a 2000 V-Bucks, je sais pas comment il s'appelle. Le double pompe. C'est là qu'ils vont le mettre. Éruption, pas mal. Bon, voilà, après, toujours les petites récompenses. Voyageur, encore un style en plus, donc un gaspillage de place. Sur la vague, nul ne peut le battre. Fait partie de l'ensemble chevalier. Féro-dragon, vraiment stylé, bon après je pense que tu l'entends à 10 km et tu vois rien, mais bon c'est très très stylé, on va pas se mentir, là je vais pas faire la fine bouche. Et bien sûr le skin palissant, je l'avais pas vu mais j'avais entendu qu'il était pas très ouf, sans ça je m'en doutais. Interdimensionnel, animé, pas mal, pas mal. Platine couronne avec la couronne, ouais, c'est vrai que ça ressemble, c'est vrai que c'est stylé. Et voilà le skin ultime, chevalier ultime, il a toujours le dernier mot, fait partie de l'ensemble, chevalier. Avec, ouais. Ah, le rouge, j'aime bien, ça me rappelle les chevaliers, ça me rappelle Transformers, le 5. Mais sinon, non, j'aime. Il est stylé. C'est le chevalier noir, il est stylé, mais bon, le chevalier noir. En fait, entre lui et le chevalier noir, quand même, l'or, j'aime pas. Le gris, j'aime pas trop. Mais le rouge et le noir, tant surtout le noir, je trouve vraiment stylé, parce que le noir, ça rappelle la couleur du chevalier noir, comme son nom l'indique. Ou je sais pas quelle couleur, il y avait pas un noir là? Ah non, il y est même pas. Ça devait être le gris, ça devait être lui ou le gris, je sais plus, ou le rouge. Ouais, entre le chevalier noir et lui, ça se discute, mais après, pour un skin palissant, je sais pas si c'est léger, mais je m'attendais, on s'attend toujours à un truc vraiment ouf. Mais après, peut-être qu'eux, ils se disent bah, que non, le palissant, c'est juste un palier normal, ou je sais, c'est pas un palier normal, vous l'avez compris, mais bon, avec un petit sac à dos en plus, oui. Forgé grâce à la flamme d'un dragon. Ouais, moi, je trouve pas mal. Je trouve déjà mieux que que la Ambre, que c'était qui, que le Vendetta, que tous les autres. Parce que ça me rappelle les Chevaliers de la Table Ronde un peu quand même. Et moi j'aime bien cette époque un peu. Déjà j'aime bien l'histoire. Donc voilà. Le pass mieux que la saison dernière. Je trouve pour l'instant. Parce que déjà les skins de base de la saison dernière étaient nuls. C'était what? Non, j'ai vraiment rien mis du pass. Aucune danse. À part ça. Mais bon.
Non, il y avait vraiment rien dans le pass dernier. Non, plutôt dans le dernier pass, excusez-moi. Donc moi, je vais vous donner ma note de passe de combat. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait dans les commentaires, je vous invite dans les commentaires, bien sûr, à donner votre note du passe de combat sur 10. Et moi, je lui mettrai, je pense, un petit... Je vais noter gentiment, je vais mettre un 7 sur 10. 7 sur 10. Parce qu'il y a des skins quand même stylés. Après, le défaut, bah, c'est qu'ils reviennent du passé, donc ça fait un peu redondant pour certaines personnes. Les camouflages sont assez stylés. Les planeurs, je suis pas enchanté. S'il y a eu des bons planeurs et des bonnes danses, j'aurais mis 9. Peut-être 8. Mais déjà 7, c'est gentil. J'ai hésité entre 6 et 7. Mais quand je l'ai vu, quand j'en ai parlé, quand j'ai vu quelques images, je me suis dit non, c'est de la merde. Mais là, quand je le vois devant moi, il a l'air quand même assez stylé. Mais après, faut pas se mentir que les skins du pass de combat, c'est pas eux qu'on met en priorité. Donc je vais pas clasher tous les jours le pass de combat. Parce que eux-mêmes savent que les gens, ils vont pas mettre les skins tous les jours. Ils préfèrent mettre les skins de la boutique d'objets qui sont quand même plus stylés, plus uniques, plus rares. Là, je pense que tout le monde, principalement, je pense que 90% des joueurs vont acheter le pass, ils peuvent maintenant l'acheter. Donc voilà, 650 V-Bucks restants, moi je mets un 7 sur 10. 7 sur 10, et vous, quelle note vous mettez à ce pass dans les commentaires? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, activez les notifications avec la petite cloche, très important. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux et à parler de notre chaîne à nos amis. C'était Lucky de la team GNSL, merci beaucoup, ciao ciao.